Les robinets. Donc, re-bonne année. Et il y avait un tout petit colis dans ma boîte aux lettres. Ah, ça y est, wouh! Ouais! Pa! Splash! Bang! La vie des chéris. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis dans ma nouvelle maison, mais avant de vous parler de ça, moi je filme là le 28 décembre. Et vous verrez très certainement, c'est même sûr, cette vidéo en 2021. Mais je ne sais pas s'il y aura eu une autre vidéo avant celle-ci. Dans le doute, je vous souhaite une excellente année 2021, la meilleure possible. On espère qu'elle sera meilleure que 2020. Donc voilà, je ne sais pas du tout quand sera publiée cette vidéo. Mais si je ne vous l'ai pas dit, voilà, très bonne année 2021 à vous tous. Donc aujourd'hui je suis dans ma nouvelle maison, pourquoi j'aurais bien aimé rester chez moi parce que je pense que ça se voit à ma tête, enfin je sais pas parce que c'est tout blanc, je sais pas pourquoi c'est aussi blanc, mais j'ai des cernes, j'ai des poches, j'ai mes allergies qui me font les yeux rouges et je suis crevée et voilà plein de trucs, donc j'aurais bien aimé rester dans mon lit ce matin, mais j'ai décidé cette semaine de la consacrer à la maison. Donc je ne publierai pas exceptionnellement de vidéos samedi parce qu'avec les fêtes je pense que vous regardez moins sur YouTube également, donc je trouvais que c'était l'occasion. Et voilà, ça me fera du bien aussi de faire une petite pause sur YouTube. Je vais profiter de cette semaine pour m'occuper de la maison pour plein de raisons, dont une qui est j'ai peur qu'on soit reconfiné bientôt. Et quand on est confiné, je n'ai pas le droit de venir, enfin en tout cas au précédent confinement je n'avais pas le droit de venir dans ma maison, même si clairement on ne voit personne quand on vient ici, mais en théorie on n'a pas le droit, ce n'est pas une raison valable pour se déplacer. Donc je préfère avancer au maximum ce que je peux avancer tant qu'on peut venir. Donc je suis toute seule, je vais faire ça toute seule parce qu'Alexandre travaille beaucoup. Donc je sais pas si je pourrais venir tous les jours, mais le but est d'avancer au maximum. Pour l'instant, l'objectif est de détapisser, sauf qu'il y a de la tapisserie dans toute la maison. Donc je ne sais pas si je vais arriver à terminer tout ça toute seule. Ça dépendra de si la tapisserie se détache facilement ou pas. On a un appareil pour détapisser dans le garage que je vais aller chercher tout de suite. Là, je viens d'arriver, je me suis même pas changée, mais je sais même pas si je vais enlever ma veste parce que... Ah ! Je vous avais perdu, mon appareil était tombé. Donc, il fait 8-9 degrés dans cette maison. Du coup, pour l'instant, je pense que je vais rester comme ça. On verra bien après si je me réchauffe un petit peu en travaillant. Mais donc voilà, je vais chercher mon échelle, ma machine, tout ça. Et puis, ben, je vais attaquer la tapisserie. Je sais pas par où je commence, par la cuisine peut-être. Voilà, je vais essayer d'avancer au maximum, on verra bien, je me prends pas la tête, je fais ce que je peux faire et puis on verra. On va pousser tout ça, sinon vous allez rien voir. Je vais commencer ici, comme ça on va voir si ça se décolle facilement ou si j'allume ma machine. C'est parti, seulement je préfère ça marche. Ouais, d'accord. C'est bien collé, on va utiliser la machine. Comment ça marche? Moi je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que j'ai pas détapissé, je sais qu'il faut pas se cramer, ça je trouve. C'est pas très compliqué, mais faut pas perdre un doigt avec la vapeur. Comment ça marche ça? Hop. Hop, purée, j'ai les doigts glacés, il y a une sécurité. Ah, si j'arrive pas à l'ouvrir, on est bien. Tourner, pousser, tourner encore. Oh. Oh. Bon, je vais mettre par terre déjà, j'aurai plus de force. Ça y est, je suis arrivée. Je ne vois pas le niveau du truc, si là. Voilà, c'est en train de chauffer. Je pense que la machine a froid aussi. Je l'entends chauffer, mais la vapeur ne sort pas. Donc je sais pas si elle marche toujours ou pas. Ah, ça boue. Ça y est, elle avait froid. Enfin, j'entends bouillir, mais... mais c'est tout. Ah, ça y est. Wouh. Ouais. Attends, calme-toi. J'étais pas froide du coup là. Oh.
J'ai terminé toute l'eau qu'il y avait dans ma décolleuse. Là, j'attends que ça refroidisse pour pouvoir en remettre un petit peu. Mais de toute façon, je pense que je vais pas trop traîner aujourd'hui. C'était surtout pour commencer, pour repérer, pour installer, etc. Parce que j'ai pas pris à manger avec moi et je commence déjà à avoir très faim. Donc je pense que je vais pas trop rester aujourd'hui. Mais bref, ça s'est bien passé, mais ça va être long. J'arriverai jamais à détapisser toute la maison, je pense, cette semaine. Parce que... elle se décolle, mais ça laisse toujours une deuxième couche qui, elle, est beaucoup plus compliquée à décoller. Elle tient bien quand même. Du coup, c'est long. Là, j'ai même pas fait la moitié, ni même, ça se trouve, un quart de la cuisine. Donc, ouais, ça va être long quand même. Bonjour tout le monde. Je suis désolée, j'ai pas de trépied, donc je ne sais pas trop où vous mettre. Je viens d'arriver, nous sommes le lendemain, le 29 décembre, il est 10h15 et on va donc attaquer pour la deuxième journée de détapissage. Je suis encore moins en forme qu'hier, c'est génial, mais j'ai quand même pris mon repas pour ce midi, donc j'espère pouvoir rester un petit peu plus qu'hier. Aujourd'hui ça va être un petit peu plus galère parce que hier j'ai fait le bas ici. Là il va falloir que je fasse tout ce qui est en hauteur, donc je vais être sur une échelle, c'est toujours plus pratique quand même d'être sur la terre ferme. Et surtout, je sais pas trop comment je vais m'organiser pour faire le haut une fois que je suis sur mon échelle, où c'est que je vais mettre ma machine. C'est surtout ça qui m'inquiète, parce que le fil fait pas 15 mètres, mais on devrait arriver à se débrouiller. Et je ne vous ai pas montré hier, mais juste ici, il y a le nom de ma maman. Donc je pense que c'est ma maman qui avait tapissé ici. Ça ne se décolle pas du tout. Sans machine, ça sert vraiment à rien, mais ça me gonfle d'attendre que ce soit chaud. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et j'ai terminé la cuisine. C'est détapissé, c'est cool, je vais passer un petit coup de balai quand même, vite fait, nettoyer la machine et ça ira bien pour aujourd'hui. Et également j'ai commencé un bout du salon, ici c'est le salon, et ça a l'air d'aller beaucoup plus vite que dans la cuisine. Donc ce serait cool que ce soit comme ça dans toute la pièce, ce serait vraiment le top. Bonjour, aujourd'hui on est mercredi 30 décembre, aujourd'hui je vais rester à la maison, je vais pas aller faire les travaux dans l'autre maison, pour plein de raisons. Déjà j'ai mis mes habits les plus douillés, les plus chauds, j'ai souffert du froid ces derniers temps, donc j'y vais pas pour plusieurs raisons, parce que j'ai trop forcé les précédentes journées et là je suis éclatée, j'ai une migraine atroce et j'aimerais pouvoir profiter du nouvel an, donc j'aimerais m'occuper de ça aujourd'hui, ralentir pour essayer de calmer ma migraine et pouvoir profiter du nouvel an. Et deuxième raison principale pour laquelle je ne vais pas à la maison aujourd'hui, c'est que j'ai autre chose à faire concernant la maison, mais que je vais faire ici. Mon plombier m'a laissé un catalogue dans lequel il y a pas mal de produits et il faut que je choisisse ceux qui m'intéressent, donc robinet, receveur de douche, meubles vasques, etc. Il faut que je choisisse tout ça, sauf que tout n'est pas super bien détaillé sur son catalogue, donc j'aimerais rechercher les produits sur internet pour voir un petit peu mieux les prix, pour voir plus de photos, plus d'infos sur les produits, etc. Bref, ça va me prendre pas mal de temps, je pense, et je ne suis pas sûre que ce soit passionnant de choisir des robinets. En tout cas, sur son catalogue, il y a énormément de robinets différents et je les vois tous pareils. Donc... Puis en plus, j'ai pas une passion pour les robinets, donc je sais pas. Ça risque d'être long et pas passionnant, mais il faut le faire, donc je vais m'occuper de ça. On a appris une bonne nouvelle pour le travail d'Alexandre, on est trop contents tous les deux. Sauf que le côté négatif, c'est que il devait avoir des vacances.
Déjà pour lui c'est pas cool, il aura pas de vacances du coup. Pour lui c'est pas cool parce que ben, il est crevé, ça fait une éternité qu'il a pas eu de vacances. Et du coup ça va faire pendant très très longtemps il pourra pas avoir de vacances non plus. Donc pour lui ça va être fatigant. Et pour la maison ça va être un petit peu compliqué aussi. Parce que du coup on voulait profiter de ces vacances qui allaient arriver là pour avancer tous les deux sur la maison. Mais du coup ça veut dire qu'il va falloir que je fasse toute la maison toute seule. Il va falloir que je fasse tous les travaux de A à Z toute seule. Ce qui veut dire que je n'y arriverai jamais, je n'aurai pas le temps de tout faire toute seule. Donc tout ne sera pas terminé quand on va emménager, c'est quasi sûr. Au niveau des murs en tout cas, la déco tout ça, il n'y a quasiment rien qui sera fait je pense. Enfin je vais essayer d'avancer au maximum mais voilà ça va pas être possible de tout finir avant qu'on emménage. On verra bien mais en tout cas il va falloir que je fasse tout toute seule, ça c'est une certitude. Donc c'est pour ça, comme il va falloir tenir sur la longueur, aujourd'hui on va se reposer. Quand même quand Alexandre sera prêt, on va également aller faire les courses aujourd'hui pour le nouvel an. On n'a plus rien dans notre frigo et on va essayer de se faire un petit nouvel an sympa. On n'est que tous les deux mais on avait envie de faire, de manger des trucs sympas quand même. On n'avait pas envie de cuisiner. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une sorte d'apéro dînatoire avec plein de petites choses festives. On va acheter chacun de notre côté, enfin on va faire les courses ensemble mais chacun on va acheter ce qui nous fait envie. Moi je sais que je vais aller chez mon poissonnier pour acheter des huîtres. Certainement que du coup les crevettes me feront envie. En dessert je veux absolument un royaume, j'adore les royaumes, c'est ma passion. Une glace aussi certainement. Et puis je sais pas, je sais plus qu'est-ce que j'ai noté, quelques petites choses, je ne sais plus, je verrai bien en magasin ce qui me fait envie. Des robinets, des robinets, des robinets, des robinets, encore des robinets. Et le meuble vasque il est là, donc moi je pense que je vais faire un truc du style là, parce que comme on va avoir des carreaux de ciment, j'ai bien envie d'avoir le meuble gris qui vont rappeler les carreaux de ciment, mais ça je sais pas si Alexandre a envie d'avoir du gris, donc faudrait que je vois avec lui. Les poignées noires par contre une seule vasque, j'ai pas envie de m'amuser à nettoyer deux vasques à chaque fois. Et une c'est largement suffisant je trouve. Cette version là tiroir mais en gris et poignées noires je pense. On est le 1er janvier donc re-bonne année. Même si je vous l'ai déjà dit, ah j'ai perdu mon collier. Je suis allée faire un petit tour dehors parce que hier soir j'étais malade en fait. Hier après-midi j'ai mangé un petit gâteau qui m'a rendu malade, je n'aurais pas dû. Et du coup le soir je n'ai rien pu manger, c'est génial. Là je viens de sortir faire un tour et il y avait un tout petit colis dans ma boîte aux lettres. Je pense savoir ce que c'est, je vais vous montrer ça. Ce sont des water décals, donc j'ai pris celui-ci avec des petits visages féminins. Et celui-ci avec des mains et des fleurs, enfin il y a des visages aussi mais j'adore les mains, j'ai une passion pour les mains dans la vie. Donc j'ai pris surtout pour ça, puis voilà c'était très féminin, très fleuri, j'avais très envie. J'ai acheté ça parce que les water decals me manquent beaucoup, me manquent énormément. Je vous mettrai le lien de ces water decals en barre d'infos sous la vidéo, je sais pas encore du tout s'ils sont bien, ça vient d'AliExpress. Je testerai et on verra mais j'ai jamais été trop déçue de water decals, en général c'est toujours pas trop mal les water decals. Et en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien de sortir me promener aujourd'hui, de voir le soleil, c'est surtout ça, il y a un manque de luminosité atroce dans cette maison. Et voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de respirer et de prendre l'air. Bon ben aujourd'hui 2 décembre, pas du tout, 2 janvier. Aujourd'hui on est le 2 janvier, je vais retourner du coup, je vais reprendre les travaux, je vais retourner à la maison, je vais tout de suite aller me changer. En fait j'ai pris une seule tenue, je mets toujours la même toute la semaine pour les travaux, comme ça je n'abîme pas 50 milliards de fringues. Donc voilà, je vais enfiler ma tenue et je vais y retourner et je rentrerai avec Alexandre. J'y vais toute seule mais je pense qu'Alexandre viendra faire un tour, il avait envie de voir ce que ça donnait aussi. Voilà, bien changé, bien arrivé et aujourd'hui on va continuer le salon juste ici et surtout on va voir si ça se décolle mieux que la cuisine. Si ça se décolle mieux c'est génial, on pourra passer à quelque chose de plus intéressant plus rapidement. En fait le mur n'est pas pareil partout, donc il y a des endroits où ça adhère et d'autres où ça s'enlève mieux. Par contre ici c'est trop génial, c'est là où on a eu un problème avec de l'eau, il y a eu un petit dégât des eaux on va dire, parce que personne n'habitait la maison donc personne s'en est rendu compte. Mais du coup il suffit de tirer sur la tapisserie et il y a tout qui vient, c'est génial, c'est un régal, je voulais partager ce plaisir avec vous. Voilà, malheureusement, y a ça que sur un mur, hein, mais c'est déjà bien. Mais si tous les murs étaient comme ça, ce serait merveilleux.
Bonjour tout le monde, désolée pour la lumière pas folle à mon avis, mais le jour ne s'est pas encore levé. Donc aujourd'hui nous sommes là, c'est la rentrée, nous sommes le 4 janvier. Du coup pas mal de choses à... Alors j'ai pas pris de miroir. Je voulais me maquiller, je n'ai pas pris de miroir. Bon, je vais chercher mon miroir et je reviens parce que juste avec le retour caméra ça va être compliqué. Avant que je commence mon maquillage, je voulais vous dire, j'ai enlevé mon vernis rouge enfin. Et j'ai posé un autre produit que je ne connaissais pas du tout de la marque Essie. Je dois vous saouler à vous parler de Essie tout le temps. Mais c'était déjà ma marque favorite et ils m'ont envoyé certains produits ces derniers temps. Donc c'est pour ça que je vous en parle encore plus en ce moment. Mais en tout cas ce produit je ne connaissais pas et j'adore. Donc je les ai limés, j'ai tout refait propre et j'ai mis ce produit qui est en fait un fortifiant coloré. Et ce que j'adore c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre ni base ni top coat. En plus avec le pinceau Essie hyper large, en un passage limite, c'est fait, c'est hyper rapide à mettre, ça a vite séché. C'est brillant comme si on avait mis un top coat. Il y a une petite couleur qui fait... Ça donne une petite couleur perle avec de légers reflets. C'est très sympa mais en même temps c'est discret. J'ai mis ça parce que je vais retourner du coup détapisser encore et toujours cette semaine dans la maison. Et du coup je trouvais ça pas mal de tester ce fortifiant. Donc j'aime bien parce que ça permet d'avoir une petite touche de couleur même si on met un swim. Donc voilà, petite parenthèse. J'ai beaucoup aimé ce produit pour l'instant. Après je l'ai posé hier donc... Voilà, je sais pas s'il tient bien, je sais pas s'il renforce particulièrement bien les ongles ou quoi que ce soit, mais en tout cas hyper pratique à poser. Du coup, Alexandre est venu voir ce que j'avais fait à la maison et je pensais qu'il allait me parler des murs, de parler de ce que j'avais fait quoi. Et au lieu de me parler des murs, il a regardé les portes et il m'a parlé que des portes. Parce qu'en fait le fait d'enlever la tapisserie ça fait ressortir les portes et il a trouvé les portes dégueulasses. Et du coup c'est vrai les portes elles sont moches mais ça c'est pas très grave, on y mettra un petit coup de peinture, on change les poignées et voilà ça fait une porte neuve. Mais voilà ça fait encore un truc en plus qu'il faudra penser à refaire, à repeindre. Là je viens d'appliquer ma bébé crème L'Oréal que j'adore, que je trouve hyper pratique et hyper rapide à poser etc. Et j'ai enfin changé de base, j'ai repris la Too Faced, j'en avais marre de celle de NYX. Donc au niveau de la tapisserie, ben, je vais continuer tout seul, je vais continuer comme vous l'avez vu. Mais sans vous parce que je pense que c'est un peu toujours la même chose et c'est pas très intéressant pour vous. C'est plus long que ce que j'avais imaginé, je pensais que je pourrais faire d'autres choses plus intéressantes aussi. Donc voilà, je vais devoir passer beaucoup de temps encore à tout détapisser. Du coup, comme je vous disais, je filmerai pas forcément. Je vous en reparlerai quand ce sera plus intéressant. Aujourd'hui je ne sais pas trop si je vais pouvoir y retourner, demain certainement. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire, c'est la rentrée donc j'ai plein de trucs à faire. J'ai des choses à poster, j'ai beaucoup d'appels à passer dont certains pour la maison. J'espère que ça pourra donner quelque chose de bien. Voilà pour le maquillage, j'étais censée faire quelque chose d'assez léger et surtout rapide à faire, pas du tout. J'ai eu envie de m'amuser avec ma palette, donc toujours la même, c'est celle de Beauty Bay. Celle que je vous ai présentée dans ma dernière vidéo, dans mon dernier tuto que j'avais fait pour Noël. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo dans le petit si jamais ça peut vous intéresser. Sinon concernant la maison aussi, donc hier avec Alexandre on a choisi définitivement tout ce qui est plomberie, robinet etc. C'est pour ça qu'on doit appeler le plombier aujourd'hui. Et j'ai également vu par hasard sur AliExpress, vous savez AliExpress on cherche un truc puis ça envoie plein d'autres trucs. Enfin voilà je cherchais pas ça. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de boutons de porte assez sympas et pas trop chers, de boutons pour les meubles, de poignées, etc. Donc je sais pas, peut-être que je chercherai un petit peu plus, je vous mettrai des images de certaines choses que j'ai mis de côté. Et sinon j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'avais envie de vous donner des nouvelles de la maison parce que vous me demandez souvent où ça en est. Donc voilà, je voulais vous prendre avec moi pour ce début de travaux on va dire de ma part. Mais voilà c'est tout du coup pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.